Hey, ton premier one-man show s'en vient, toi. Tu dois commencer à être stressé, là. Stressé? Si tu m'en parles, je dors plus, je vais te prendre des somnifères. Mettons qu'on te trouvait un coach, ça t'aiderait-tu? Ouais. Ouais? Ça aiderait, ça? Ouais, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être te rendre service. Qui, ça? C'est un Français. Ah, oh, ben non, là. C'est un one-man show, je fais, là. C'est pas une conférence. Ouais. Hey, je te remercie de venir, c'est le fun. Mais écoute, avec plaisir, merci de m'accueillir, là. Ah, je t'ai vu en première partie de Donnel, là. Ah oui, bah oui, t'étais là hier. Ouais, c'était très bon. Bye. Je suis vraiment content de ce qui t'arrive. Tu le mérites tellement. On a fait une belle année, hein? Là, t'es dans le cours des grands, là. T'es vraiment dans le cours des grands, là. Ce serait intéressant de voir, t'apprendrais beaucoup, parce qu'il y a... Ben, en plus, on est un peu dans la même veine, hein? Ouais, mais disons, comparé à toi, là, t'es quand même rendu plus loin. Et justement, tu as dû voir dans les journaux que je me suis engagé complètement de façon stupide de faire un seul en scène un soir. Et je veux pas faire une carrière là-dedans, là. Mais j'ai une vraie pression, quoi. Ouais. Puis le paradoxe, c'est que j'ai demandé à toutes les grosses vedettes ici, certains que j'ai vraiment aidés au début de la carrière, de m'aider. Et personne qui ne me donne même pas le début d'un coup de main. Ben moi, je te donne un coup de main. Et au moins, il y a Pierre, mais bon, il n'y a pas le métier ou l'expérience que tu as. Ça, je voulais un petit peu te... Ben, écoute-moi, la base, pour moi, ce que tu viens de raconter, c'est déjà hyper intéressant. Tu te retrouves là, piégé, et que tu es devant des gens, et que je sais que vous avez quelque chose. C'est bon, parce que je me disais, tu sais, toi qui as fait ça toute ta vie, est-ce qu'il y a une posture, il y a une façon de... Ben, en fait, c'est la posture le plus naturelle possible. Pour moi, un bon stand-up, c'est qu'en fait, il faut que tu sois naturel. Il faut que tu leur parles pour de vrai et que tu t'adresses donc, à eux. Donc, je regarde le monde, je les regarde? Ben ouais. Ça dépend, il y a des écoles de pensée, mais... Ouais. En fait, mais ça dépend... C'est exactement le contraire de ce ouais. que tu me dis. Ouais, mais en fait, ça dépend comment tu veux défendre ton truc. Soit tu t'offres un moment particulier, soit tu offres un spectacle. Je pense pas que tu vas regarder une seule personne, puis tu vas voir combien de personnes. Ça fait un mois que tu me dis de faire un spectacle plutôt que d'être intime, là, c'est pas... Ouais, non, mais en même temps... c'est juste une question de vision, là. Moi, j'ai ma vision, puis elle est bonne, ma vision, là. Je fais ça. Oui, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on est très éloigné au niveau de l'ambition. C'est juste que peut-être que... Tout ce que j'ai, à date, ce que je fais, tu... Non, mais regarde, je vais essayer d'en faire un beau juste t'as pour... T'as des bons arguments contre mes trucs, Ouais, mais toi, t'as plus d'expérience que lui, là. Mais toi, qu'on est assis Est-ce que tu veux être en forme? Tout le monde dit être en forme. En fait, le texte, on s'en bat les couilles. Pour moi, pour moi, c'est pas important. Là, moi, je peux, toi, tu m'as fait t'écrire comme un malade. Ouais, mais moi, je suis aussi auteur, là, dans la vie. C'est ça. Pour moi, là, il faut qu'il y ait de la substance. C'est vrai. T'es québécois, je suis français. Je crois qu'il y a aussi de ça. J'ai plus confiance en lui qu'en toi, franchement. Là, lui, il a du succès. Toi, tu commences. Ça fait à peu près 9 mois là, que je travaille sur ton show. Je comprends. 9 mois, tu travailles, mais on n'a peut-être pas avancé du tout. Il y a des intéressants. Mais attention, il faut voir quel est ton objectif. Non, mais c'est intimidant parce que toi, tu me dis de faire une affaire, lui, me dit de faire autre chose. Là, t'as quoi, tu comme le cul. Plus que moi. Mais parce qu'on a tous les deux raisons. En fait, on n'a pas tous les deux raisons, c'est pas la même chose. Tu te rends compte que tout le travail qu'on a fait, ça sert à rien? C'est juste une question de vision, il défait tout ce que je fais. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, c'est quoi travailler pendant. Bye, au revoir, merci quand même. Ouais, moi je veux pas, j'ai d'autres choses à faire pour vrai. Ok, bon, mission. Bon, mission, va-t'en. Merci. Merci, devant toi. Bon, débarrasse. Tu fais vraiment 9 mois que vous bossez ensemble? Non, pas 9 mois. Merci. Salut. Dis que tu es heureux d'être une victime de Juste pour rire en direct. Je suis tellement... C'est marrant parce que tu vois, je me suis pas totalement battu. Je crois que c'est la première fois que j'étais pris au piège par Juste pour rire. Dans la merde ou pas, en vrai? Oui, dans la merde. Dans la merde. C'est le seul truc qui me rassure.